Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo revue du Flying Iron BF-109 de Michel Smith originellement. Une petite pépite que j'ai rapidement testée et je vais continuer avec vous la présentation. Donc déjà esthétiquement très beau, moi je trouve qu'il y a de très belles textures. Alors je sais que je fais partie des gens pas extrêmement difficiles mais je trouve que c'est vraiment très beau. Ici on peut voir comme on est en Égypte, qu'on a les températures élevées, donc un petit parasol pour protéger le pilote qui dépend de la température. Vous pouvez voir que si on diminue la température, le parasol disparaît. Et on peut voir aussi qu'on a un filtre sur l'entrée d'air pour filtrer les particules de poussière qui sont dans l'air, donc vraiment pas mal. On a des bidons extérieurs et en fait tout ça on va pouvoir une fois à l'intérieur on va pouvoir le modifier. On voit que les textures à l'intérieur sont aussi vraiment très très belles, très belle finition, quasiment tout est cliquable, c'est vraiment vraiment du beau boulot. Et ici on a une petite tablette qui est cachée. Alors ce n'est pas un tuto, je vais pas tout expliquer en détail, de toute façon je n'ai pas encore tout creusé en détail. C'est juste pour vivement vous encourager à l'acheter parce que moi je pense que je vais y passer quelques heures dessus et je ferai un tuto. Donc là vous voyez sur le premier item on a toutes les checklists. Ici toutes les vitesses significatives, donc ce qui est pas mal, donc vitesse de planer, toutes les vitesses limites, mais aussi des vitesses si vous voulez faire de la voltige, demi-tonneau, tonneau, boucle, tonneau en montée, etc. Donc c'est vraiment pas mal. À savoir que ici, attention, c'est en kilomètre heure, donc il vous faut regarder la première partie. Hein. Si vous regardez les notes, les nœuds, il doit y avoir, s'ils ont mis, c'est certainement qu'il doit y avoir un moyen de passer. Alors, pardon, c'est ici la vitesse, mais je me trompe, ça c'est l'altitude en kilomètre, et là, en kilomètre heure, c'est possiblement qu'il y a un moyen de passer ça en nœuds pour ceux qui veulent pas des kilomètres heure. Ici, vous avez toutes les informations en live des paramètres de vos moteurs électriques, pression d'huile, température, etc. Donc ça peut être pas mal parce que la simulation est poussée vraiment loin. Il faut primer suffisamment, c'est-à-dire il faut gaver votre moteur suffisamment. Si vous le gavez trop, il est noyé. Donc à ce moment-là, il faut faire la procédure standard de moteur noyé, c'est-à-dire que vous le démarrez mais sans les magnétos. Pour faire partir l'essence, enfin c'est vraiment bien fait. Et ils ont développé, on verra ça après, tout à la fin, bah, enfin, je vais vous le montrer. Ici vous voyez, il y a écrit Simplified Ground Handling. Donc c'est pour le roulage. En fait, Flying Iron explique que dans MSFS, et c'est pas faux, la physique des avions qui ont donc les trains queue, on appelle ça, ceux qui ont une petite roulette, les trains classiques, quoi, ceux qui ont deux roues à l'avant et une roulette à l'arrière. La physique est assez mal faite sur FS, c'est extrêmement simple de piloter un train de queue dans FS, et donc ils ont refait totalement toute la physique de ça, en s'appuyant sur l'expertise de pilotes qui ont l'habitude de faire ça. Donc là, si vous appuyez Simplified, vous avez le système de base de FS qui rend l'avion beaucoup plus facile au sol, et là c'est le système développé par Flying Iron, qui a son importance parce que cet avion supporte, à cause du couple moteur qui est très fort vers la gauche, si en plus vous avez du vent de la gauche, vous êtes sûr quasiment de finir au tas au décollage. Donc ici, une info importante, c'est que vous avez la direction de votre vent et la vitesse du vent. Donc moi, là, vous voyez, j'ai mis un vent faible pour pas me casser la tête. Mais évitez impérativement de décoller avec du vent de la gauche, parce que déjà, sans ça, bon, j'ai fini 2-3 fois au tas. On va pas se mentir. Ici, vous avez toutes les statistiques durant votre vol. Là, vous avez les différents, donc vous pouvez mettre en short range, donc... faible endurance en gros, enfin range c'est pardon je vais y arriver, je trouve plus le mot en anglais, enfin bref vous avez compris, le rayon d'action, ici le rayon d'action moyen et grand rayon d'action, voilà. Visiblement il est possible de larguer les réservoirs extérieurs. Un pilote automatique qui bien sûr n'existait pas de base mais qu'ils ont mis pour ceux qui veulent l'utiliser. Le workshop, donc là ça vous permet, par exemple vous voyez j'ai volé un peu et ça permet de réparer les systèmes, donc vous voyez tous ces systèmes qui peuvent tomber en panne. Les principaux qu'il faut comprendre, donc c'est le gear que vous pouvez casser facilement, c'est le train d'atterrissage. La batterie qui est assez importante parce que, on verra où elle se trouve après, mais en gros vous pouvez l'activer depuis l'intérieur du cockpit, par contre pour la désactiver normalement c'était l'équipe au sol qui le faisait. Elle est à l'arrière de l'avion, et donc si vous la laissez au sol sans le moteur, vous allez très rapidement la vider, vous ne pouvez plus démarrer.
Le système d'huile qu'il faut bien faire chauffer, sinon vous allez vous retrouver avec ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de l'huile partout sur le pare-brise parce que vous avez fait exploser les durites. Et les spark plugs, c'est les bougies en français. Et en fait, c'est un moteur qui a encrassé beaucoup, beaucoup les bougies, visiblement, je ne savais pas du tout. Et donc, si vous êtes en dessous de 1 de pression ATA, donc de pression atmosphérique que vous voyez derrière, le cadran qui est caché derrière. En dessous de 1, elle s'encrasse. Sauf qu'en fait, à 1, vous êtes déjà une grosse, grosse puissance. Donc, elle s'encrasse vite. Et en fait, cette petite poignée sert à les désencrasser. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais même pas si c'est expliqué. Je n'ai pas regardé en détail. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut utiliser. Sinon, votre moteur va commencer par ratatouiller et couper. Et le reste, je l'expliquerai dans le tuto. Et ici, donc, vous pouvez, à la place du gunsight, donc, vous pouvez mettre un petit GNS 430. Là, vous pouvez, pour remplacer la verrière, cacher le pilote, cacher le manche, cacher l'hélice qui tourne. C'est pour installer le filtre dont je parlais à l'extérieur, là sur le côté, c'est ça. Ça, j'en ai parlé. Ça, c'est pour installer les armes à l'avant. Attention, donc déjà, ça rajoute 316 livres si vous rajoutez les mitrailleuses. Et alors, c'est une option que vous n'avez que si vous avez acheté le. Moi, j'achète jamais sur le. Enfin, ou très rarement, sauf si je suis obligé. Sur le marketplace, j'aime pas, je préfère acheter directement au développeur. Mais donc, si vous l'avez acheté sur le marketplace, vous n'aurez pas les armes parce que c'est la politique de Microsoft. En revanche, si vous l'achetez sur le site de Flying Iron, vous aurez la possibilité d'ajouter les armes. Ici, ça vous permet d'ajouter en bas une petite radio avec un transpondeur, ce qui peut être pas mal pour ceux qui veulent jouer sur VATSIM. Et ça, c'est très bien qu'ils aient fait ça, c'est ce qui manque sur beaucoup de trucs, notamment l'Antonov par exemple. Vous pouvez remplacer tout le texte allemand par du texte anglais et je vous avoue que ça m'a sauvé 2-3 fois dans la checklist pour chercher quelque chose dans le cockpit. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez aussi une documentation de 52 pages dans le fichier du jeu qui vous permet d'en savoir un peu plus et de notamment à quoi correspondent les instruments. Ici, régler la luminosité. Ici, c'est est-ce que vous voulez ou non les dégâts et le vieillissement de l'avion ici. Donc si vous faites ça, votre avion sera indestructible. Et si vous faites ça, il peut s'abîmer. Vous avez une possibilité de pushback. Ici, c'est pour connecter ou déconnecter la batterie. Donc au final, pour la connecter, c'est le bouton qui est là. Ici. Tac. Et si vous voulez la déconnecter, il vous faut appuyer là. Sinon, c'est pas possible. Autrement, vous voyez, ça a ramené le petit interrupteur. Et là, je vais la remettre. Et ici, le trim aileron. Je pense pas qu'il y en avait d'origine, mais je pense qu'ils ont rajouté ça pour aider justement parce que forcément, alors on le verra en vol, hein, mais des avions comme ça qui ont énormément de couples moteurs, bah forcément ils ont toujours tendance à tourner autour de leur moteur. Donc ça devait pas être une partie de plaisir à piloter en permanence quand même. Donc voilà pour la tablette, on va effectuer la mise en route et vous allez voir à quel point le bruit de ce moteur est jouissif. Ils l'ont hyper bien réalisé, enfin en tout cas je sais pas s'il correspond vraiment au bruit, mais il correspond vraiment à un bruit de moteur de ce type-là. Donc on va fermer la verrière, on chope la petite poignée qui est là, ça enlève le parasol, et la verrière se ferme. On vérifie que le train est bien down, le train se trouve ici, donc Landung c'est pour l'atterrissage, Flug en allemand ça veut dire vol. Donc là on est bien en position atterrissage, le train bas. Flottant, donc les gaz, on les ouvre un peu. Prop control, donc les systèmes de contrôle de l'hélice. Il y a sur tous les chasseurs le Focke-Wulf, c'était pareil. C'est un avion que pour le coup je connais assez bien, le Focke-Wulf. Ici, vous avez automatique ou manuel. Donc si vous mettez en manuel, c'est vous qui contrôlez le pas de l'hélice, ce qui sert notamment quand vous voulez économiser du carburant ou économiser le moteur dans certaines phases ou être sûr d'avoir la puissance maximale du moteur à l'atterrissage ou au décollage, vous pouvez mettre en manuel. En automatique, c'est pas toujours aussi précis, mais ça permet quand même de gérer le pas mal du moteur. Donc là, on va le laisser sur automatique. Le contrôle du radiateur d'huile. Donc ici, c'est cette poignée. Vous voyez qu'il y a tout, ça veut dire fermé, house, ouvert et automatique. Donc là, on va le mettre sur ouvert. Donc vous voyez là, sur le. J'enlève la souris parce que ça met tout en bleu. Vous voyez qu'il y a une flèche qui va vers la droite là. Donc vers la droite, vers ouvert. Hop, j'appuie là-dessus. Ensuite, la batterie sur marche. Je l'ai déjà mise. Et ensuite, on va rentrer les circuit breakers. Donc, les circuit breakers dans les chasseurs allemands de la Seconde Guerre mondiale, c'était des boutons de ce type. Si vous appuyez pour le faire sortir, vous voyez, ça ne fonctionne pas, il faut appuyer sur le petit bouton rouge qui éjecte. Ce qu'ils ont rajouté
pour le bien du jeu, pour ceux qui n'ont pas envie d'appuyer sur tous les breakers, ils ont rajouté ce petit breaker qui n'existait pas, qui insère tous les breakers, et ici, qui vous permet de tous les sortir. Donc là, pour la check, on va rentrer le A8, donc vous, là, vous avez les trucs dessous là, A8, A12, A21, A22. Ensuite, engine start. Donc on prime, donc on gave le moteur 5 fois si c'est chaud, plus si c'est froid. Je crois qu'il y a plus d'infos dans la documentation sur le nombre pour éviter de le gaver. La pompe de prime, c'est ça. Donc là, il fait chaud, je vais le faire 5 fois. 3, 4 et 5. Ensuite, je mets le winter start. Donc c'est s'il fait froid en dessous de 10 degrés, là, de moins 10 degrés, pardon, vous tirez cette poignée. Ok, donc là, il fait chaud, donc on va pas le tirer. La A27, la pompe électrique qu'on entend se lancer. Et maintenant, donc on va allumer, ouvrir la val les, vannes de carburant, les valves de carburant. Donc il y a deux circuits. Donc hop, on ouvre les deux circuits, 1 plus 2. Les magnétos chez les Allemands, c'était ça. Magnéto 1, magnéto 2, magnéto 1 plus 2. Et là, maintenant, on va lancer la roue à inertie. Ces démarreurs à l'époque là, c'était pas des démarreurs comme on connaît de nos jours, soit pneumatique, soit électrique, c'était des démarreurs à inertie. C'est-à-dire que vous avez un système électrique qui vient lancer une grosse roue lourde qui va se lancer dans le vide, et après vous venez embrayer le moteur sur cette roue et elle va entraîner le démarrage du moteur. Pour démarrer ça, il faut venir chercher le petit interrupteur rouge ici et vous allez entendre que le volant à inertie, ça s'appelle comme ça, va se lancer. Donc on va le maintenir à peu près 20 secondes, mais au son on va vite entendre qu'il est complètement lancé. Les pieds sur les freins, puisqu'il n'y a pas de train de parc. Voilà, là on entend bien que le volant est à son régime constant. On lâche, on ouvre ici, on tire la poignée, on maintient, et le moteur démarre. Et là, on a un bruit, un régal. Si on ouvre la derrière, c'est hyper sympa. Voilà, c'est vraiment, ils ont, les gars ont vraiment, enfin, franchement, je trouve qu'ils ont fait un effort sublime sur le son du moteur. Allez, on va se refermer la verrière. Elle ramasse. Hop. Voilà, verrière fermée. Alors, il faut maintenir bien les freins, hein, sinon l'avion va se barrer. After start, donc circuit breaker, on va tous les mettre sur on. On. Hop, voilà, tout le monde est sur on. Je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur ce bouton si vous le désirez. Ensuite, la pression d'huile. Alors là, c'est des essais, donc je vais pas faire tous les essais, vous n'avez qu'à suivre la checklist. Ce que je vais surtout attendre, moi, c'est ici, voilà, on est au-dessus de 40 degrés de température d'huile. Ici, vous avez la pression carburant, la pression d'huile, la quantité de carburant. Ça, c'est le pas le jaugeur, mais enfin l'indicateur pour la position des hélices. C'était particulier chez les Allemands, en fait, à cette époque-là, pour la position des hélices, c'était en heure. Donc vous allez avoir des positions en heure. Par exemple, la position midi, ça va être les deux aiguilles vers le haut. Voilà. Et donc ça, c'est important, c'est la température d'huile. Si vous êtes en dessous de 40 et que vous décollez, votre moteur va, enfin, votre circuit d'huile va éclater. Donc là, le moteur a bien chauffé. On va le laisser chauffer un peu plus. Ensuite, taxi, il vous dit de passer sur manuel, ici justement sur l'hélice, et de mettre midi. Donc là, avec votre axe d'hélice, vous venez gérer les aiguilles pour qu'elles aillent sur la position midi. Donc là, ça fait changer le pas des hélices. De l'hélice, puisqu'il y en a qu'une. Vous voyez que le nombre de tours minute augmente. Voilà. Et normalement, à midi, c'est là où on a le meilleur rendement au moteur. Enfin, la meilleure puissance. Pas le meilleur rendement, mais la meilleure puissance. Ensuite, tailwheel, loose, donc la roulette de queue. C'est cette poignée. Vous voyez dessous, il y a écrit loose vers le haut et fast serré quoi, vers le bas. Là, moi je veux qu'elle soit loose pour qu'elle soit libre pour pouvoir rouler, sinon elle va être bloquée dans l'axe de l'avion. Ensuite, brakes, si je roule, ça va rouler, je freine, ça fonctionne. Pour le taxi, ils vous disent de faire des S, parce que bah, forcément on voit rien avant.
Les volets 20, donc je vous conseille de mettre un axe. Les volets, alors ça c'est le trim, ici, trim à cabré. Ça c'est les volets, donc vous voyez c'est laborieux, il n'y a pas d'indicateur. Et il faut regarder la position des volets sur l'aile. Donc soit vous faites à la main comme ça, soit vous configurez directement un axe sur votre manette qui vous permet de mettre donc 20, je pense que c'est à peu près par là. Alors, ça doit être à peu près ça. Mais il n'y a pas d'indicateur de volet, ou en tout cas je n'en ai pas trouvé. Et ensuite le stabilizer, donc ça c'est le trim qui vous demande de gérer. Alors attention, plus, on pourrait croire que plus c'est à cabrer, mais non c'est l'inverse en fait, c'est à piquer. Donc vous voyez là, ici j'ai l'indicateur de trim, à 0 je suis à neutre quoi, et là je vais appliquer pour mettre plus 1. Pourquoi mettre appliqué au décollage? Parce que un avion classique, un train classique comme ça, on va plaquer la roulette de queue, enfin la dérive au sol, enfin la profondeur pardon, au sol durant le décollage, et ensuite on va passer en position 2 points, qui est la position ligne de vol, pour continuer l'accélération, à partir de 100 km/h sur un BF 109. Et le fait de trimer légèrement à piqué, ça va vous aider à avoir la queue qui se soulève naturellement. Parce que si vous trimez à cabré, bah forcément, il va falloir forcer et vous risquez de faire un cheval de bois. Les essais moteurs, comme j'ai dit, on les fera pas. En revanche, on va. Alors, ils disent de repasser avec propre contrôle sur auto. Bon, on pourrait le garder manuel, mais on va le passer sur auto. Ça évitera un gag. Voilà. Contrôle sur auto, on a bien les volets, on a bien le stabilisateur, le radiateur, on va le mettre sur automatique, et les clear plug fouling, donc c'est ça là, donc vous pouvez tirer un petit coup parce qu'au ralenti il s'encrasse, donc ça fait pas de mal. Voilà. Hop. Alors take off, donc ils nous disent de mettre de l'aileron à droite et du palonnier plein droite aussi. Alors parfois je sais pas pourquoi il se lève sur l'aile gauche, j'ai pas très bien compris pourquoi. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Donc j'espère que je vais pas me cracher dès le décollage. Donc il va falloir surtout mettre plein pied à droite, vous allez voir, il est très compliqué à faire tourner à droite parce qu'il y a énormément d'effets vers la gauche. Je commenterai au fur et à mesure. Donc on va augmenter progressivement les gaz, le faites surtout pas d'un coup sinon vous allez partir à 90 degrés à gauche. Et à 170 km/h, donc ici, donc par là quoi. On décollera pour ensuite rentrer le train, les volets. Voilà. Allez, c'est parti. On va rouler. Donc comme j'ai dit, hein, c'est pas un tuto, donc là je parle de l'essentiel, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je referai une vidéo où j'explique vraiment l'intégralité de l'avion, son fonctionnement, mais il faut d'abord que je me penche dessus. Donc là vous voyez que dès que je mets des gaz, bon il veut tourner à gauche, donc ça va être très chiant de le faire tourner à droite. Il faut mettre un peu de vitesse et le faire tourner par à coup de frein. Parce que le palonnier, la dérive est très petite, elle a aucun effet. Donc il faut rouler assez vite pour pouvoir utiliser les freins. Si vous roulez trop doucement, vous n'aurez aucun effet au frein, ça va être l'enfer. Alors le vent, j'en ai pas, j'ai mis deux nœuds. Alors est-ce que ça c'est la piste? Oui, non, non, elle est là-bas. Hop. Alors je sais pas si la manche à air est vraie ou pas, mais on dirait quand même qu'il y a un peu de vent qui arrive d'en face de moi là. Donc je vais plutôt décoller en me mettant face à ma gauche qu'à ma droite pour essayer d'avoir le vent plutôt de la droite. Tout simplement, pourquoi pas de vent de la gauche? Parce qu'en fait, quand vous avez un, comme la plupart des hélices dans le monde, tourne vers la droite, l'effet gyroscopique, le pi factor là, entraîne les... Ah putain! Pourquoi le moteur s'est coupé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché une poignée qu'il fallait pas. En bidouillant. Alors je vais relancer le moteur. Je disais donc le pi factor là c'est l'effet gyroscopique de l'hélice. Donc en fait vous avez un couple. Quand l'hélice tourne à... Enfin c'est pas l'effet gyroscopique, c'est le couple de l'hélice qui fait que quand elle tourne à droite, elle a un couple qui va dans l'autre sens, qui amène l'avion vers la gauche. Donc là le moteur étant très puissant, il y a beaucoup d'effets vers la gauche. Donc si en plus vous avez du vent qui vient taper sur votre dérive par la gauche et qui vous fait tourner à gauche, bah ça devient quasiment impossible. Ok, le bestiau est redémarré. Je ne sais pas ce que j'avais tripoté. J'ai tapé dans mon joystick, donc j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. Hop. Ok.
On s'aligne et attention, c'est là que le spectacle va commencer. Vais-je survivre au décollage? Alors déjà, voilà. Déjà, j'arrive même pas à m'aligner proprement. Oui. Ah putain. Ça y est, il a décidé de tourner sur place. Ça y est, je vais avoir la roulette de queue qui est. Ah, ça y est, j'ai réussi à la débloquer. Voilà. J'ai dû avoir leur. Parce qu'ils ont modélisé forcément comme les vrais trains de queue, donc votre roulette de queue ne répond pas du tout avec les palonniers. Elle est complètement libre. Donc forcément, si vous la bloquez dans une position, après c'est un enfer. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du Cap 10 par exemple. Si vous avez le malheur de bloquer la roulette de queue. Alors, par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'elle est dans l'axe, on la verrouille. Donc là, maintenant, elle va plus bouger. Et là, c'est parti pour le décollage. Donc, je vais progressivement mettre la puissance. Il faut que je vienne chercher 1,3 ici de pression atmosphérique. Donc, plein palonnier à droite, un peu de manche à droite. En montant en puissance. Et parfois, bah, il faut pas forcément chercher à garder l'axe de piste. Hein. C'est clairement pas des avions faciles à décoller. Donc, voilà. Alors, je pense que. Et bien voilà, sans surprise, ça a tourné au carnage, j'ai fini sur l'aile gauche. Donc faut vraiment y aller souplement. J'ai encore un peu de mal à faire en sorte que l'aile ne se soulève pas. L'aile droite. Donc on va le laisser accélérer souplement avant de mettre encore plus de puissance. Ok, allez. 100 km/h. On passe sur deux roues, on est pas mal, on monte la puissance à 1,3. Hop, purée, ça y est, cette fois-ci c'est la bonne. Et on décolle. C'est bon. Alors il faut bien garder du pied à droite, je rentre le train. Le train rentre, le train est sous 300 km/h. Et là je vais compenser à cabré pour m'aider. Rentrer les volets. Les volets rentrent. Et on va pouvoir augmenter un peu la patate pour s'éloigner du sol. Il est vraiment agréable à piloter. Alors les effets sont hyper. Les effets aérodynamiques sont assez bien faits, je trouve. Notamment au niveau du moteur. Vous voyez, alors, on va juste me mettre en palier, je fais demi-tour. On va aller faire un petit tour au niveau des pyramides, histoire de s'occuper. Ah, c'est vraiment beau. C'est la première fois que je survole le désert avec le Google Replacement là. C'est vraiment simple. Donc voilà, par exemple, on va stabiliser à cette altitude. Donc là, vous voyez, je stabilise. Donc force. En fait, j'ai pas de trim en gauchissement. Donc je suis tout le temps obligé de mettre du manche à gauche. Vous voyez, si je réduis la puissance, il a plutôt tendance à partir sur la droite. Parce que bah, moi, je tiens le manche plutôt vers la droite pour pouvoir voler droit. Donc là, si je lâche tout, vous voyez, il vole relativement droit, même légèrement vers la droite. Et vous allez voir, si je mets de la puissance. Il va s'enrouler autour de son hélice et le fameux pi factor là entraîne l'avion vers la gauche. Ça c'est classique des moteurs à très forte puissance comme ça. Parce que bon, je sais plus combien il fait de chevaux, mais il doit faire, allez, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être 2000 chevaux, donc si c'est pas plus. Donc c'était vraiment des avions très compliqués. Le BF-109, il y a eu beaucoup 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 de morts. Faut savoir que sur la fin de la guerre, les pauvres gars, ils faisaient du planeur et après, hop, ils étaient envoyés direct sur BF-109. Donc, je vous explique pas le bordel. Donc, il faut mettre beaucoup de pieds. Train très étroit, donc compliqué à maîtriser au sol. Compliqué à maîtriser en vol. Enfin, un avion complexe. Plus complexe que son frère, enfin son cousin plutôt, le Focke-Wulf 190. Alors, si je me trompe pas, les pyramides doivent être quelque part devant. On va s'amuser à faire des manœuvres en attendant. Ah bah elles sont là-bas, là, je les vois. Hop. Et agréable à piloter. Vous voyez, on peut s'amuser à faire des petits tonneaux. Hop. Alors faut bien mettre du pied, c'est assez bien fait. Après ça reste Flight Simulator, c'est clairement pas un simulateur de voltige.
mais ça reste assez sympathique. Ah, hop, ouais, on entend un petit bruit. J'essaierai de vous le faire entendre en montant sur la vidéo si j'y pense. Vous allez voir qu'en fonction de la vitesse, il y a des becs qui sortent. Hop, on les voit sortir. Donc on entend le cloque des becs qui sortent. Eux, ils sont là pour augmenter la portance en fonction de l'incidence et de la vitesse. Donc c'est complètement automatisé, ça c'est pas moi qui le gère, hein, c'est l'avion qui gère tout ça tout seul. Ce qu'on peut faire, c'est aussi, vous voyez là j'ai le viseur mais on le voit pas trop. Et ici je peux basculer en vision de jour pour mieux voir le viseur. Donc le viseur de tir. Je sais pas encore si on peut vraiment tirer. C'est pas impossible. Ça m'étonnerait pas ceci. Puisqu'il y a un Fokker DR1, un truc de la Première Guerre mondiale, qui peut tirer dans le jeu. Il t'a amusé une fois là, avec. Donc c'est assez sympa. Et j'ai oublié de mettre l'oxyde. Alors je sais pas si c'est ça. Non. Parce que c'est cet interrupteur. Ça c'est le truc d'oxygène, je le reconnais sur le flowbook, c'est le même. Je sais pas comment on l'ouvre ici. Normalement c'est une vanne l'oxyde. Bon, je sais pas ce que c'est ça fait du bruit. Ok, il faudra que je regarde plus en détail. Ça c'est pas très grave, hein, c'est pas le but. Le but c'est vraiment juste de le tester, de voir à quel point il est sympa. Il est vraiment beau. Franchement, je peux que vous conseiller d'acheter ça. Autant j'avais été très très critique envers le P40 de Inibuild, je crois, quelque chose comme ça, qui avait un son un peu pourri, on avait l'impression de piloter une feuille de papier. Là, il est quand même assez lourd aux manches. Après, ça reste un chasseur, mais bon, c'est un vieux chasseur, donc c'est pas non plus un rafale. Franchement, je trouve qu'ils ont fait vraiment un gros travail sur tout ce qui est les effets aérodynamiques, les effets au sol. Il est compliqué à piloter, je pense qu'il va vous falloir, peut-être, ça dépend de votre expérience, notamment en train classique, il va vous falloir peut-être manger un peu quelques crashs avant d'arriver à le décoller. Il vaut pas en modèle de vol le BF-109 que vous pourrez trouver sur DCS. Pour ceux qui ont DCS, clairement. Il est mieux sur DCS. Parce que le modèle de vol sur DCS est quand même, je trouve, plus sympa pour beaucoup d'avions. De par la conception de DCS. Mais après, par contre, l'avantage, c'est que là, vous pouvez quand même vous amuser à voler avec un BF-109 sur une carte mondiale. Faire de la navigation en BF-109. Faire des vols à plusieurs BF-109 tout en faisant de la radio. Vous pouvez avoir un GPS pour naviguer. Donc, c'est quand même un autre. Un autre amusement que DCS, qui est plutôt axé sur vraiment le combat. D'ailleurs, si on met le GPS, ouais, il est bien intégré. Bon, par contre, c'est moche, hein, voilà. On va pas se mentir, c'est putain de dégueulasse d'avoir un GPS dans un BF-109, mais bon, on va enlever ça de suite. Mais bon, si vous voulez naviguer, c'est sûr que c'est quand même plus facile que naviguer juste à vue. Allez, écoutez, maintenant on va essayer de se poser, on va juste faire un petit coucou aux pyramides. On va peut-être se faire une petite séance de voltige après les pyramides, et après on va se poser. Je sais même pas si j'étais déjà venu les voir dans le jeu. Si, je crois une fois. Voilà. Bah, elles ont déjà dû en voir passer des BF-109. Salut les filles. On va avoir dû voir passer autre chose que des BF-109 aussi. Oh, bon, je voulais passer entre les deux, mais je sens que j'allais me tuer là. Ah, ça c'est l'antenne électrique de Gims là. Parfait. Allez, donc il doit y avoir une piste dans l'axe si je me trompe pas. De mémoire, ok, il y a un truc par là, là. Et on va essayer de se poser après avoir fait un peu de voltige pour voir ce que ça donne en voltige. Alors, elle est où la piste? Elle est où la piste? Il me semble qu'il y a une piste. Là, il y a le Nil. Il me semble qu'elle est de l'autre côté du Nil. Ouais, bon, on va descendre un peu en basse altitude pour se marrer. Oh, le bruit du moteur, c'est vraiment un régal. Ils ont vraiment fait un super travail sur le bruit du moteur. Je trouve qu'il est vraiment le son et le couple du moteur sont vraiment assez exceptionnels, je trouve. Alors normalement par ici il y a une piste. Après, se mettre à ras du sol, c'est peut-être pas le plus intelligent pour trouver une piste. Mais on n'a jamais dit que j'étais intelligent. Hop là, allez, on va monter.
Ah bah, ah oui, ok, il y a une piste, ouais, mais elle est toute petite. Merci les gars. Merci pour la piste. Bon, bah, on va se poser dans le désert, hein, pour tester ça. On va pas revenir. Attends, on va essayer de se poser au pied des pyramides. De toute façon, dans le jeu, on peut se poser un peu n'importe où, c'est l'avantage. C'est que tu te poses dans du sable, dans de la terre ou dans des cailloux. Tant qu'il n'y a pas de relief, ça marche. Ah mais attends, on va se faire de la voltige sur la route et on ira se poser à côté de la petite pyramide là-bas. C'est joli, sympa. Alors tiens, on va prendre cette route comme axe. Et on va essayer de se faire une boucle de petit. Ah, c'est pas une route, c'est un canal. Hop, ah, ouais, parfait, ça change rien. Donc il conseille 480 km/h pour la boucle, mais on va aller chercher 480 km/h. On va tirer, alors j'ai pas spooké comme un âne parce que on arrive vite à l'overger, c'est un peu le problème de faire ça dans un jeu parce que c'est qu'on a pas du tout la sensation. Donc on peut tirer comme une mille sans s'en rendre compte. Alors je suis complètement en train de désaxer je crois. On entend les becs qui se déclenchent. Ouais, désaxer, c'est bien ce que je disais. J'ai pas mis assez de pieds. Ouais. Faut mettre beaucoup de pieds en haut et il faut aussi, attention à la réduction, là il faut se limiter à 3000 tours parce que le moteur au-delà de 3000 tours il encaisse des dégâts. Allez, je vais essayer d'en faire une deuxième un peu plus propre que ça parce que là il était dégueulasse. Ouais, on est au-dessus de 500 km/h. On va juste profiter pour corriger un peu l'altitude. Hop, allez, 480 km/h. On est axé. Allez, je suis parti un peu lent, on va cadencer plus. On est axé. Alors, du pied, du pied, du pied, du pied. Voilà, ça c'est plus propre. Eh ben, on va pas faire une boucle, on va faire un renversement. Hop, 45 degrés à peu près. Et on revient. Hop, hop. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Là, on va se faire un tour de remontée. 500 km/h. On va prendre 45 degrés d'inclinaison. On bloque. Un petit tonneau du pied à gauche, enfin du pied à droite, du pied à gauche, et normalement on est revenu à peu près propre, à peu près propre, à peu près sale, un peu des deux, et on va revenir vers le sol. Et c'est vraiment sympa, franchement, je pense que je vais me marrer avec cet avion, je vais y passer quelques heures, je vais même ne faire de la navigation, et si ça vous dit, je vous ferai des tutos navigation justement avec cet avion, parce que je crois qu'il y a. Il y a moyen de bien contrôler la... Il me semble qu'il y a des graphes dans la documentation pour contrôler la... tout ce qui est consommation, etc. Il faudrait que je regarde plus en détail ce week-end. J'essaierai de trouver un peu de temps pour regarder ça et peut-être la semaine prochaine, j'essaierai de pousser un deuxième tuto un peu plus. Enfin, une vidéo tuto un peu plus poussée que ça. Bon, mais vu que les autres là-bas sont pas loin, on va aller. C'est kiff-kiff, on va aller sur ça là. Et on va se poser. On a toujours bluffé à quel point c'est vert à bord d'une île et après de suite c'est le désert qu'on fonce à lui sinon. C'est un endroit où je suis jamais allé. Je devais y passer en Égypte en vol et au final j'ai fait autre chose. Je suis jamais allé. Alors, pour se préparer pour l'atterrissage, il faut ralentir pour sortir le train en dessous de 300 km/h et les volets, je me rappelle plus, on va juste regarder. Hop. Ma montre au lieu de la souris, on n'est pas arrivé. Dans les checklists, landing, au descent et approach, voilà. Alors ça nous dit, les valves sur deux, le radiateur sont ouverts, mais je crois qu'il y est toujours, je ne l'avais pas touché. Le train sous 300 km/h et les volets 40 sous 250 km/h. Le stabilisateur à moins 3, donc là attention à moins 3 c'est cabré, donc là vous voyez il est à 0. Parce que 0 c'est pour 450, donc là dans la voltige, bah, comme j'étais toujours aux alentours des 400 là, 450, j'en avais pas besoin. Clear plug fouling, vu que depuis tout à l'heure on utilise beaucoup de puissance, je pense pas qu'il y en ait besoin. Et donc on va arriver à peu près à 200 km/h pour se poser à 180 en essayant de ne pas se foutre en l'air. Ce qui n'est pas gagné du tout. Ah oui, ça a pas l'air plat du tout en plus dans le quartier. Bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de se tuer bêtement, je vais revenir vers la piste et on se retrouve une fois qu'on est au niveau, je suis au niveau de la piste. Nous voilà sur la piste. Alors on va faire un break et on va venir se poser. Donc on va faire un break en bout de bande.
Ça permet de casser la vitesse. On arrive sous 300 km/h. Je sors le train. Il faut que je compense. Donc là, vous voyez, je suis encore à 0. Olé. Wouhou! Hop. Alors, justement, putain, le compensateur il roule pas vite. Hein. Allez, plus 2. On va mettre plus 3, on sera pas mal. On est sous 250, on va sortir les volets complets. Alors, les volets sortent tout doucement, mais pareil, hein, c'est une molette. Donc, je pense que c'est assez bien fait, puisqu'au final, le pauvre gars avec sa main, il devait pas aller non plus à Mach 12. Je suis à plus 3. Et là, on va venir se présenter pour la finale. Je vais essayer de tenir mes 200, un peu plus de 200 km/h dans la finale. Enfin, dans le virage. Du pied pour m'aider à tourner, puisque bah, forcément, virage droite avec l'effet du moteur qui m'amène à gauche, bah, ça complexifie. On a le train avec les deux vertes qu'on peut voir en bas à gauche de l'écran. Alors, ça me fait complètement overshooter le virage. Hop là, on va venir chercher la piste. J'étais beaucoup trop proche. Allez. Et donc là, le but, ça va être de toucher 3 points à peu près à 180 km/h. Bon, j'ai pas du tout visé un endroit particulier de la piste. Je vais déjà essayer de toucher la piste sans tout casser. Petit rebond. Allez, on contrôle. Alors, surtout, alors, vous plaquez le manche en arrière pour plaquer la queue. Vous tirez le manche en arrière, pardon, pour plaquer la queue. Et freinez surtout pas au début, et après donnez des petits à-coups de frein. Si vous donnez un gros coup de latte dans les freins, vous allez finir en cheval de bois, hein, c'est-à-dire sur le moteur. Voilà. Bon, bah, c'est pas l'atterrissage le plus beau du monde. Mais au moins, l'avion n'est pas cassé. Allez, on met des gaz pour aider le moteur à pas caler. Et voilà. Eh bien écoutez, franchement, un régal. Un régal, un régal. Je le conseille vivement. Franchement, je ne peux que vous engager, si vous aimez les Warbirds et les avions un peu complexes à piloter, je peux que vous engager à acheter ça. Voilà. Et en tout cas, pour ceux qui l'achèteront, je vous souhaite de très bons vols. Régalez-vous bien et promis, j'essaie de faire un tuto dès que possible. Je vous souhaite à tous de bons vols et à la prochaine. Ciao, ciao.